Djamadou Sylla qui avait pris part à cette rencontre les 20 coins du voile sur les dessous de cette sortie musclée du chef de l'État. Explication: vous savez, avant la rencontre, il y avait eu beaucoup d'interprétations dans les médias sur la sortie du président lors du dernier Conseil des ministres, lorsqu'il a invité les magistrats de la CRIEF à plus de professionnalisme et au respect de la loi. Dans les médias, certains en ont fait leur chou gras en interprétant ça comme une injonction voilée faite aux magistrats pour leur demander de reculer. Un chef, ce n'est pas tout le temps qu'il parle. Mais lorsqu'il réunit les gens, il profite pour répondre à certaines personnes. C'est dans ce cadre-là qu'il tenut ses propos pour bien recadrer les choses et faire comprendre aux gens que rien ne le fera reculer ou le faire détourner de son objectif. L'autre aspect qu'il ne faut pas ignorer, c'est le cas des anciens ministres détenus. Leurs avocats parlent beaucoup dans les médias. C'est tout ça qui l'a amené à tenir un discours aussi musclé. Il faut aussi relever que lorsqu'un chef invite des gens à une rencontre et qu'il ignore surtout des ténors, ça l'amène à se défouler. S'il a parlé ainsi, c'est pour dire, que les gens viennent ou pas, il fera son boulot. Mais il faut le reconnaître que c'est un discours menaçant, expliquait Djamadou Sylla, président de la CORED.